Voilà les gars, il vient de m'arriver une dinguerie. Regardez, j'étais posé ici tranquille, j'étais au téléphone. Voilà, j'ai fini dans le trou. Regardez ma chaussure. Voilà, j'ai fini dans le trou. Je me suis arraché le genou. Je me suis arraché le bras. Pourquoi il m'arrive que des trucs comme ça? Ah, c'est le premier jour sans Asdas. Regardez. Ce café qui était rempli avant. Il est vide. Il n'y a plus Nasser, ça y est. Il n'y a plus un chat. C'est fini. C'est pas grave. Je bois mon coca tout seul. On reste. Comment on dit? Bref, je sais pas comment on dit, mais on est là. Les gars, lui, c'est Iliès. Iliès, il est tous les jours au quartier. Maintenant qu'il n'y a plus Nasser, vous voulez voir des petites actus, des petits trucs que nous, on peut pas filmer. Lui, il va le filmer. Venez, je vais mettre le Telegram. Non. Tu vas rien mettre du tout. Tu vas juste mettre des stories. Tu vas rien mettre du tout, juste des stories, c'est bon? C'est bon. J'étais sur la route direction Paris et malheureusement, la roue elle a éclaté en plein milieu de l'autoroute. Là, j'ai fini au rond-point du Zénith à Clermont-Ferrand. On est censé venir me réparer le pneu, j'attends. Et voilà, je suis dégoûté. Je suis hyper dégoûté. Je devais aller direction Paris. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé. Vous voyez les personnes qui viennent avec les camions directement, vous changez les pneus là. Là, du coup, il est venu avec son camion et il va me changer le pneu. Voilà. Donc, du coup, là, normalement, on est sorti d'affaire et on reprend la route direction.